Ouais, allô? Léa, c'est moi, c'est Arthur. Tout va bien? Comment te dire, c'est arrivé ce matin. Arthur, je comprends pas. De quoi tu parles? Arthur, réponds. Théo est mort. Ce matin, un accident juste à côté de chez lui. Je savais pas comment te l'annoncer. Léa? Allô? Comment tu m'as trouvé? Je savais que tu serais là. Tu veux pas descendre? Écoute, Léa. Pourquoi tu m'as appelé? Quoi? Je comprends pas. Je t'ai appelé pour te prévenir. Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as appelé? Je t'ai appelé pour te prévenir. Pour te le dire. Te dire que ça va aller. Non, ça va pas aller. T'aurais dû être là. En vrai. Pour moi. Pour lui. Tout ça. Ça n'existera plus. Plus jamais. Écoute, Léa. Théo n'avait pas le droit. Il peut pas nous laisser. Et toi, t'as toujours été le plus sage. Le plus mature. Le plus sérieux de nous trois. T'as toujours été dans le contrôle! Comme si ça ne te faisait rien! Arthur, laisse-moi, s'il te plaît! Va-t'en! Arrive à toute berzingue. On doit y aller à toute berzingue. J'en peux plus. Attends, faut que je respire. Oh merde. Tu l'as déchiré. Oh, Michel, il va gueuler. C'est un gentil garçon, très dévoué. C'est un accident de voiture. C'est si bête. Léa. Bonjour. On fait quoi aujourd'hui? Si t'as besoin de prendre du temps pour toi ou de discuter, t'hésites pas. Il est pas là, Arthur? Non, on l'a pas vu aujourd'hui. Ah, ok. Bon, bah, je vais chercher mes affaires et. On se retrouve dehors? Pas de soucis, à tout à l'heure. À tout. Oh, je crois que je viens de marcher dans quelque chose de mou. Et c'est du plastique qu'il faut ramasser, hein, pas de l'organique. Oh, c'est pas drôle, c'est mes chaussures tous les jours. Oh, comme si tu savais pas ce qu'on allait faire aujourd'hui avec l'assaut. Je le savais, mais Théo m'a assuré que ces chaussures suffisaient. Mais, oh regarde, je viens de trouver exactement ce qu'il faut pour nettoyer ce drame. C'est drame nature. Oh, c'est pas juste, à deux contre un avec vos jeux de mots pourris. Des jeux de mots pourris, si. Allez, prends ça. Ha 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 ha!
Sérieux? Je te ramène sur mon spot préféré et toi tu préfères prendre un vieux linge plutôt que des photos. C'est pour une bonne raison. Moi, Théo Ducasse, présente à vous, Arthur Pirion, et à vous, Léa Gestel, l'ultime pièce de notre drapeau. C'est quoi ça? C'est absolument rien. Donc, ce rien, c'est ta conclusion? Léa, tu vas quand même pas me dire que tu préfères ce vieux bout de tissu à la beauté du lieu? On sait pas ce que c'est que son bout de tissu, là. C'est rien du tout. C'est juste une chute qui traînait chez moi. Je l'ai vue et je me suis dit, ce patchwork qu'on fait là, c'est notre enfance, notre adolescence, nous, maintenant. Mais quand je l'aurai fini, les souvenirs s'arrêtent? Mais bien sûr que non. Même pas en rêve. Alors ma conclusion, c'est ça. Tous nos souvenirs futurs sur un bout de tissu dégueulasse. Tu savais que je serais là. Tu l'as pris. Cette relique. C'est le plus beau souvenir qu'on ait de lui. C'est le plus beau souvenir qu'on ait de nous.